Salut, aujourd'hui on va récupérer, on fait la suite, hein, des petites, comment récupérer ses propres graines. Donc là on avait fait, hop, vous voyez, on avait fait hier des petits cornichons. Donc voilà, on les a laissés là, c'est-à-dire, là on les laisse comme ça, macérer 24 heures. Là, ben, on va faire la même chose avec le concombre. Donc il existe plusieurs méthodes, hein. Moi je fais cette petite méthode là, hein, comme les cornichons, ça marche très bien. Voilà, le plus important c'est que ça a bien été fertilisé, c'est que les graines sont assez grosses et surtout bien remplies, ça c'est le plus important. Alors moi comment je coupe, hein, je vais pas couper, bon, souvent je fais ça, voilà, je coupe pas entièrement, je fais juste une petite ouverture. Voilà, comme ça, et voilà, je vais pas jusqu'au bout, j'essaie de récupérer l'autre, voilà, et en règle générale, ça s'ouvre, voilà, comme ça, si on coupe tout, on va couper des graines, voilà. Qui est parti là-bas. Alors on va prendre ça. Là, là, elle est pas mal. Alors on y va. Alors comme je dis, on peut récupérer les graines avec une petite cuillère. Évitez de mettre trop de pulpe. Ah, mais bon, si on a, c'est pas grave, hein. Pas beaucoup de graines, hein. Mal, on va la récupérer puisqu'elle est bien bombée. Alors, c'est ça, il faut regarder quand les graines sont bien bombées, c'est que c'est bon. Bon, moi je fais ça un petit peu, j'enlève vraiment la pulpe qui sert à rien. On a des gros morceaux de pulpe et comme ça, ça sert à rien. Là aussi. Ça, c'est pareil, ça sert à rien déjà. En même temps, ça permet de regarder si tout va bien, mais bon, pas beaucoup de graines. Pas beaucoup de graines, donc on va remplir un petit récipient, on va les mettre dedans et puis on va laisser ça 24 heures à la chaleur,
Moi, j'évite le soleil direct. Voilà, faut de la chaleur. Hein, une vingtaine de degrés minimum, hein, c'est pas mal. Et on va les laisser. Ça, elle est pas terrible. Celle-là, on va pas la... Celle-là, elle est bien. Ça, dedans, donc ça, ça et ça. On va aller chercher l'étiquette. La petite étiquette. On n'oublie pas la date, la variété. Oh oui, moi je fais ça avec les moyens du beurre. Hein. C'est pas la peine d'investir. Surtout quand on est un amateur. Quand vous êtes vous des amateurs, c'est pas la peine d'investir dans des trucs, dans des machins. Donc la date. Voilà. Et voilà. Donc, ben voilà, c'est tout simple. Donc, 24 heures, on va laisser ça. 24 heures à la chaleur. Et après, on va les laisser sécher, allez, 3-4 jours en fonction de la chaleur qu'il y aura chez vous. Une fois qu'ils sont bien secs, hein, c'est important. Faut qu'ils soient pas, faut qu'ils soient un peu cassants, on va dire. La graine, faut qu'elle soit un peu cassante. Et puis, si c'est encore mou, c'est que c'est pas bon. Donc laissez plusieurs jours hein, si vous voulez, ça n'a aucun inconvénient. Et si vous voulez savoir vraiment plus de renseignements sur ce genre de comment réussir ses propres graines, j'ai réalisé sur le site internet lejardinderodolphe.fr, vous avez comment multiplier tous les légumes. Et comme ça me donne un petit coup de main à la chaîne et ça vous permet d'avoir toute la liste comment faire point par point. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut, merci.